swimming in pools of gold. This is the Guild of Dungeoneering. All the monsters keep appearing. Oh, to be a Dungeoneer, whose stories will be told. What's that sound? I hear a noise. Something's coming, girls and boys. Run for the hills and far away. For the Guild of Dungeoneering. Curse and swear, but don't despair. The way out of here must be over there. I think we're lost, but what do we care? We're the Guild of Dungeoneering. Eh bien bonsoir à tous et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour potentiellement un nouveau let's play sur Guild of Dungeoneering. Alors, puisqu'au moment où je vais vous poster cette vidéo ça ne l'est plus, c'était un jeu gratuit sur l'Epic Game Store au passage. Donc celui du jeudi de la semaine dernière par rapport à quand va être posté cet épisode, donc si vous regardez ça 3 ans plus tard ça n'a aucun intérêt, mais bon. Alors j'ai décidé de vous en faire let's play parce que rien que quand j'ai vu le type de dessin, qu'en gros bah, ça allait être un jeu de construction de donjon. Je suis pas sûr, parce que j'ai juste revu ça vite fait. Et quand j'ai lancé et que j'ai vu qu'il y avait une musique spéciale dessus, et qu'ensuite j'ai fait New Game et que ça avait une histoire contée et tout, j'ai fait allez, il faut que je vous en fasse vite fait. Au moins une découverte premier épisode quoi. On va effacer celui-là, de toute façon il n'y a rien dessus. Let's go, je vous laisse profiter pendant que je me fais un café. This is the Guild of Dungeoneering. All across the land they're cheering. Oh, to be a Dungeoneer, chasing fame and glory. Donc là il est écrit que l'assemblée des explorateurs d'Ivoire, la plus noble et la plus vertueuse des guildes de ces terres, Dos, insufferable jerks, ceux de la connerie, I show them, j'ai pas lu en fait avant de vous traduire le truc, je suis désolé. Ce sont qu'une bande d'incompétents, mais j'ai ma propre guild, on a un petit hall dans une partie dans la base ville en gros. Ah non mais c'est chiant, faut que je traduise des... En fait le problème c'est que j'ai pas les petites insultes, les petites piques. En anglais je les ai pas spécialement, genre borrowed, je l'ai pas spécialement. Pour vous faire une bonne traduction, on va dire. Pour faire un résumé, le mec dès qu'il sort du donjon à première vue... il se fait douiller. C'est chiant. Bref, il est fauché, c'est la merde. Mais il a bon espoir que ça aille mieux. Welcome to your guild. Yavol. We need to hire some dungeoneering. So let's build a barracks. Yes. Drag the barracks card beside your guild house to build a new room. Alors, ça veut dire qu'il faut que je la glisse là. Ah, je vais choisir l'emplacement. Ok. Donc, ma porte d'entrée. Ok, ma porte d'entrée est ici. Tout le reste, c'est des logements. Je pense qu'effectivement, à gauche, tout de suite, la troupe passe. The one that's always left behind. The solitary lump. The pawn who's fodder for the grind. The sorry little. Jump. Ok. Donc on a un nouveau membre de donjon. Je peux expandre la taille de ma guilde. To gain a new dungeoneering. Oh, ça va trop vite. Alors, first try going to an aventure. Bon d'accord, bon, on va try going an aventure. Ah, un new donge. Bah let's go. Des rats. Comme c'est original. Donc c'est notre quête numéro 1. Squeak squeak. Qui se traduira en français par squeak squeak. Quoique, je sais pas quel. Ou c'est quick quick pour, en français pour les rats.
Même les rats britanniques font pas le même bruit que les rats francophones. C'est bien connu. Everyone's gotta start somewhere. Tout le monde a un jour commencé quelque part. Enter dans le donjon. Quest de Rat Pack. Ah, donc je pourrais éventuellement revenir dedans, c'est ça que ça veut me dire. Et on y va avec Hey Man. Trace of the First Rose. J'ai pas le temps de lire. Super. Ok. Ok, donc l'intérêt. En fait, je construis mon donjon. Je peux mettre des loot. Ah. Et l'int. Ok. Ah d'accord, juste en passant ma main dessus, en fait j'ai pas besoin de les drag, ok, ils m'ont envoyé automatiquement. Donc lui propose de me battre. C'est pas gentil monsieur. Mais il cogne fort ton connard là. J'ai pris une patate de four. Hein. Deuxième défense. Là du coup il réfléchit, il se pose des questions dans la vie. Et là, bien joué, Hey Man. Je gagne un truc qui fait tomber un rocher qui me donne une def. Je suis en train de réfléchir, le volume du jeu est peut-être un peu fort. Ah oui, non, mais c'était pour moi, excusez-moi. Parce que, j'ai juste... Strike Jacket, ça me donne plus un point de vie, ok. Stupid Crush, Armure. Un tas de trucs en plus. Trop le meilleur stuff. Ouais, je prends un dollar. J'ai bien eu. Après, il faut que je choisisse. Et je serai obligé de mettre un monstre. Meilleur flûteur. Je vais placer 3 cartes là. C'est vraiment un meilleur blague. On m'avait dit que c'était un donjon noir. Le petit raton pour la sortie. Ah oui, d'ailleurs, on choisit pas où on va, ça c'est lui qui choisit le mot. Si tu bloques une patate, je juge pas. Each animal would be a dungeoneer, a cunning fox, an agile deer, or a fearsome beast for a foe's condemning. But alas, this dungeoneer's la bonne nouvelle, c'est que a lemming. Paye... Excusez-moi. La bonne nouvelle, c'est que l'assurance paye la pierre tombale. La pierre tombale. Excusez-moi. Mais c'est à nous de payer le cimetière. Je pense que le cimetière des bras, voilà, c'est ça. Si je pouvais, c'est ce que j'allais dire, si je pouvais le mettre devant, comme ça on voit tout de suite les bras, dès le début. Although this guild seems very grand, a dungeoneer's life can sometimes be hard, not always going as they might have planned. They mostly end up in this graveyard. Oh. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On récupère Dartia. On peut click to remove Dartia. Mais non, on veut... Ah, on peut renommer Dartia, mais non. Ah, ou alors, on peut l'appeler. Parce qu'on est... on aime... Ah oui, mais je peux pas la renommer parce que... Parce que c'est en clavier tchétchène. Ou parce qu'il ne prend même pas mon clavier, genre mon clavier n'existe pas.
Mon clavier n'existe pas, je ne peux pas le renommer. D'accord, c'est pas grave. Moi, c'est pas très grave, ça me dérange pas. Des donjonniers. Ok, je n'ai que L. Ok. Je peux expandre ma taille de guilde. Sauf qu'il va me falloir du goldas pour tout, c'est ça? Or, ma goldas. Non, il faut des étoiles, je suppose, des étoiles. Ah, il faut des streamers. Merde. Flûte. Enfin, ça perd l'hypopète. Yo, après, ça tabasse un peu, hein. Adamantium Anvil. Oh, c'est nain, ça. Ça, c'est mon rush. C'est mon rush, c'est nain, c'est mon rush, c'est qualité. Et bien on repart au suicide. Let's go. On n'a pas le choix de toute façon, on n'a que ça. On espère juste que ce coup-ci, on ne débloquera pas le cimetière. Alors, on part dans les vraies ambiances. Là, on a forcément genre un corridor. Ah, tu me donnes pas le choix. Ok, on donne pas le choix. Deux patates. D'accord, mais par contre il s'inflige une blessure quand il fait ça, ok. Donc on va laisser s'infliger lui-même des blessures. Ça marche. On va le patater. Là, il va se remettre une blessure à lui-même. On pourrait presque le laisser faire. Voilà, on va peut-être lui en coller une. Ça l'éteint. Fire Blast. D'accord. Mais non, ceci c'est qu'on survivra jamais assez loin. Je sais pas si on a récupéré votre vie à la fin. Directement, c'est ça. On a bel et bien directement un monstre là-dedans. Ouais, on va se débloquer suite la suite comme ça. Je peux ajouter une partie. Ce qui veut dire que là, je peux voir leur stat. Je peux enlever le I, si je peux pas, bah j'ai une chance sur deux de perdre l'action. Tant qu'à prendre des patates, je vais t'en mettre aussi. Hein. Alors il ignore les shield as. Vas-y, bah let's go. Patate chacun. C'est naine, c'est un stuff tank direct. C'est une bonne news ça. On peut aller chercher du pognon. On peut se placer des rooms. D'accord. On peut se placer ça ici, je crois. Ou même ça là, si on veut. Ok, pourquoi pas.
Hop, on se prend un peu de pognon, au calme. Donc là, il faut qu'on se replace des trucs. Ok. On peut se placer un corridor avec un monstre. Ça me va. On peut se placer ça. Et on peut se placer ça avec un petit monstre là-haut, puisqu'on n'y aura très probablement jamais. Voilà, on lui fait des bisous. Ah, c'est Fontaine de Stupide. Ah oui, c'est la fameuse. Ok. Et donc là, à chaque fois que je bloque, je gagne un cœur. Ce qui est trop bien. Alors, je vais le garder. Ah oui, mais sinon, je vais discard. Allô. Je peux jouer ma carte massive, parce que je veux pas discard. Ah, si je gagne un cœur en plus, là, même au-delà de ma limite. Ça, c'est sympa. Puisque je peux pas le bloquer. Je peux pas bloquer la morsure. On va bloquer. Patatas. On bloque. On pourrait le bourrer comme un sourd, hein, mais on va jouer. Est-ce que je peux le bloquer? Je vais le bloquer. Là, je discarde. Je ne veux pas discarder, donc je vais gagner le cœur. Est-ce que je pense qu'il ne fait pas. Et la double patate terminée au village de monstre. I'm not sure if you understand. This used to be a peaceful land. Since your guild come along, everything has gone wrong. And I dread to know now what you've planned. C'est incroyable. Attendez, je suis en train de vérifier la taille de l'épisode, que je vous mette pas un épisode qui rend fou en termes de dimension. 17 minutes. Je pourrais presque vous faire un petit épisode de 17 minutes, mais on va d'abord. Ok, gain a battle, flèche wand. Moins 1. Comment ça? Autant de tout guild. C'est-à-dire maintenant j'aurai moins 1 PV tout court. Genre ma vie c'est de la merde. Au secours. 81. Ah bah ça y est, je peux B2 expand ma guild. Loot. Je peux construire une forge. Ça se discute même pas. On a dit, nous, on part sur un build nain, genre petit bourrin. Je pense que quand tu rentres dans cette guild, faut que t'entendes tout de suite le son des nains, tu vois. Genre ça tabasse. Genre ça tabasse tout de suite, tu vois. C'est vraiment t'y es, quoi. Et donc, on a que Dartia. Et du coup, on peut rien gérer sur elle. Mais, ok, on peut rien construire non plus, ok. D'accord. Heyman qui est bien sûr ici. Genre, sa tombe, elle s'est abîmée. Ah non, elle change. Ah, ça, c'est dommage. C'est dommage que la tombe, elle change à chaque fois que tu cliques dessus. Ça aurait été bien qu'elle ne bouge pas. Ok. Ok, c'est dommage que le skin change, justement. C'est un peu dommage. Et d'ailleurs, du coup, c'est presque, j'ai envie de dire, dommage que tu peux pas choisir le style de pierre tombale. Petit truc dommage, voilà. Écoutez, moi, ce jeu m'amuse beaucoup. Je vais me refaire un café. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Je pense que je collerai les deux à l'affilée. Ou au pire, il y aura peut-être un petit Orc Must Die entre deux. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming pour Guild of Dungeoneering. Des bisous, à la prochaine.